octobre, nous célébrons encore une grande figure de l'histoire de la sainteté, de l'histoire de l'Église, en la personne de saint François d'Assise, un des saints les plus populaires, n'est-ce pas, dans l'Église. Qui ne connaît pas saint François d'Assise ? Ce jeune homme riche qui est devenu le poverello, qui a accepté de renoncer à tous ses biens, précisément, pour suivre radicalement le Christ. D'une manière un peu rocambolesque, comme nous le savons, fils d'un riche drapier qui n'a pas accepté de le voir ainsi mendier son pain et s'abandonner ainsi à la providence divine pour suivre radicalement le Christ dans la pauvreté. Il disait qu'il avait épousé dame pauvreté. Et François d'Assise, nous le savons, ça se situe au début du XIIIe siècle, eh bien, a donné naissance à une famille religieuse, un ordre mendiant, comme on dit, parce que la pauvreté choisie exigeait d'eux qu'ils mendient, qu'ils demandent comme des mendiants leur pain et qu'ils ne gardent rien en propre, aucun bien en propre et aucun argent. Et il a fait naître une famille immense de prédicateurs de l'Évangile qui ont aidé à la réévangélisation de l'Occident chrétien, de l'Europe, à un moment où l'Église avait besoin d'être réformée de l'intérieur, où, d'une certaine manière, les chrétiens pouvaient s'être un peu assoupis, s'installer dans leurs biens, non seulement leurs biens spirituels, mais même aussi, évidemment, leurs biens matériels. Et saint François d'Assise a été inspiré par l'Esprit Saint, choisi par le Seigneur, pour réveiller le monde chrétien dans sa torpeur, et en témoignant tout simplement de la radicalité de l'Évangile, en essayant de suivre la règle de vie des apôtres, dont nous avons eu un échantillon hier à travers cet appel de Jésus dans la disponibilité la plus totale, le renoncement le plus total à soi-même pour suivre le Christ. Saint François d'Assise est donc un apôtre, mais un apôtre qui va témoigner de l'Évangile d'abord par sa vie. Il est une image d'Évangile à lui tout seul. Et particulièrement à travers une totale conformité de sa vie au Christ Jésus lui-même, doux et humble de cœur. Au Christ Jésus pauvre, pauvre jusqu'à l'humiliation de la croix. Et il sera tellement configuré par sa vie à Jésus qu'il recevra d'une manière mystérieuse sur le mont Alverne, au-dessus d'Assise, les stigmates de la croix dans sa chair, ses mains, ses pieds et son côté. Il sera vraiment, comme dit saint Paul, crucifié pour le monde et le monde sera crucifié pour lui. Il porte dans sa chair les marques de la croix du Christ et il va témoigner ainsi, eh bien, jusqu'au bout, jusqu'à l'offrande totale de sa vie, de l'Évangile pour réveiller la foi, n'est-ce pas ? Il porte la croix dans la joie, jusque dans la mort, qu'il appellera « ma sœur la mort ». Et toutes les réalités de sa vie, jusqu'à la souffrance elle-même, il l'accueille comme un don de Dieu, dans l'action de grâce, dans la louange. Et voilà pourquoi l'Évangile qui est choisi aujourd'hui pour faire mémoire de saint François d'Assise, et cette belle prière d'exultation de Jésus, qui proclame la louange du Père, parce qu'il a caché toutes ces choses aux sages et aux savants, et il l'a révélé aux tout petits. Et enfin, cette parole par laquelle Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, c'est la croix dans notre vie, cette croix que nous voudrions éviter, que nous n'acceptons pas, tous ces lieux de notre vie où nous souffrons, où nous mourons, eh bien venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Prenez sur moi, sur vous mon joug, et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Vous voyez, parce que mon joug, c'est-à-dire ma croix, et votre croix, dans la mesure où vous la portez avec moi, dans l'acceptation, dans l'action de grâce, eh bien, deviendra un joug facile, parce que c'est moi, par ma grâce, qui porterai votre croix. Et par cette croix, qui est la vôtre aujourd'hui, où vous mourrez, où vous souffrez, eh bien, vous entrerez dans la joie, et qui s'accomplira dans mon royaume.